J'avais oublié mon petit protège-doigts. N'hésitez pas à tapoter. Bah du coup mon doigt, bof bof. Bof bof, mais bon. Ah bah pour le placement de produit, il faudra voir la vidéo. Hein. Patience, patience. Vous ne pourrez pas encore les taguer pour nous descendre. Il va falloir attendre un petit peu. Du coup, on ne va pas tarder à commencer parce que c'est une recette quand même avec pas mal de cuisson. Donc, il ne s'agirait pas de s'attarder, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous avez suivi? Est-ce que vous savez ce que nous préparons ce soir? Dites-moi vite. Bonsoir, coucou Stéphanie. Pain de viande, très bien. C'est bien, il y en a qui suivent. Ça fait plaisir. Bonsoir, merci beaucoup. Ouais, vous êtes assidus, c'est très bien. Alors du coup, donc pour ce pain de viande, nous allons avoir besoin de viande hachée. Moi j'ai pris de la chair à saucisse, un oignon, de l'ail, du persil plat, deux carottes, un petit peu de lait, donc il y a à peu près 20 centilitres de lait. Bonsoir Anto. Deux tranches de pain de mie et une boîte de maïs. Donc il n'y a pas forcément beaucoup d'ingrédients. Après, au niveau des viandes, vous mettez ce que vous voulez. Si par exemple vous ne mangez pas de porc, vous pouvez mettre de la viande hachée et du veau ou que de la viande hachée, etc., etc. Ne profite pas de mon absence pour médire de moi. Oh, j'oserais pas. Alors déjà, donc on va commencer par faire tremper notre pain de mie dans le lait, donc que j'ai juste ici. Donc je vais placer mes deux tranches de pain de mie. Hop. On va laisser un petit peu comme ça. On réserve, on met de côté. Alors, le presse-ail. Bien, j'espère que tu regardes encore, chérie, que tu peux me dire où est-ce qu'il est. Coucou Mélanie. Alors, là, je vais pousser tout ça, hein, on se fait de la place parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui, n'oubliez pas Influence Gourmande sur Instagram et sur Facebook. J'ai vu, elle a trouvé un patron pour faire quelque chose. J'ai vu la notif. Dis-lui que ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ah, bonsoir à, bah, bonsoir à la Belgique. Hop, je vais juste aller voir si c'est là-bas le presse-ail. Non, alors je ne sais pas où il l'a mis. Ah, ça y est, elle dort, c'est cool.
Bonsoir de Milan. Ben bonsoir, bonsoir. Il était pressé, il est parti en road trip avec une gousse d'ail. Non, il n'est pas parti avec l'ail, mais il est parti avec le presse-ail. Ouais, tous les replays de live sont disponibles sur la chaîne YouTube Adrien Laura Vlog et blabla. Donc cette recette le sera aussi. Donc si vous ne suivez pas tout, ne vous inquiétez pas, vous pourrez la revoir. Il ne me répond pas. Je vais répondre à Muriel, même si elle m'entend. C'est pas grave. Bon, où alors attends, si j'étais Adrien, où est-ce que je le mettrais? Ici. Dans la lave-vaisselle, je ne crois pas. Non. C'est incroyable ça. Pourtant, il est gros. Dans ses vannes. Bon, il vient de me dire dans le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, il m'a dit sur l'évier. Oh. Avec les clés du Q7. Arrêtez avec ça. Hein. Vous savez que je ne me suis jamais servi de ça. Il va falloir me dire comment je suis censée faire. Bon, je sais que je dois faire comme ça. Mais bon, bref. Alors du coup, on va essayer de ne pas se couper. Hein. Oh, merci Mélanie pour les roses. Ah oui, j'ai pas vu, désolée. Merci beaucoup. Non, les clés du garage, on les a. Arrêtez d'être mauvaise langue. Merci pour les roses, Mélanie. Merci beaucoup. Alors, pour l'ail. Donc, je vais déjà enlever ça. Et après. Waouh, et ça arrache. Hein. Oh, merci beaucoup, Mélanie. Merci, merci.
Oh purée. Et ça. Merci à toi aussi. Bah mon doigt, bof bof, hein. C'est pour ça que je vais essayer de ne pas couper le reste. Merci, merci Mélanie. Non, je fais jamais de match sur TikTok. Jamais. J'en ai fait une fois. Vous vous rappelez? Bon alors du coup, je fais quoi moi avec ça? Je le pose sur mon truc et je presse, c'est ça? Mélanie, je suis sûre que tu sais toi. Je prends ça et j'appuie. Et du coup, ah, ok, est-ce que je garde? C'est ce qu'il y a à l'intérieur là, c'est ça? Pourquoi tu te fous de ma gueule, chérie? Moi d'habitude, je prends les trucs à la main là. Alors, je vais déjà faire chauffer la poêle parce que. Comme c'était un peu long la dernière fois, n'est-ce pas? On va prendre de l'avance. Hein. Faut que ce soit une purée. D'accord. Donc, là, on est bon. On se moque pas, s'il vous plaît. C'est vraiment sympa, ça, tiens. Voilà, mais tu vois, j'y arrive. C'était pour voir si vous, vous suiviez. Hein. Moi, je savais depuis le début. Hein. On tapote, hein. Parce que vous êtes beaucoup, mais je vois pas beaucoup de j'aime. Hein. C'est vendredi soir, il devrait y avoir plus de monde. Mais vous ne les appelez pas. Bah ouais, c'est un gain de temps, ouais. Ça y est, j'ai pris le coup. Les gens ont pas suivi ta story. Pourquoi? Pour le live? De toute façon, les gens en ce moment, ils m'aiment plus. Parce qu'ils ne répondent même plus à mes stories, rien du tout. J'ai mis la photo d'un chat trop mignon et trop bizarre cet après-midi. Je me suis dit, les gens vont rigoler. Il n'y a absolument personne qui m'a écrit. Donc bon, si je vous emmerde, faut le dire, hein. Enfin non, vous ne pourrez pas le dire, vous serez bloqué, mais vous pouvez essayer. Il t'a fait peur, alors pourquoi est-ce que tu ne m'as pas écrit? Pourquoi vous me demandez là et vous ne m'écrivez pas en story? Je comprends pas.
Donc là, je vais sortir ça, mettre ça dans une assiette. Donc je vais essorer. Je vous montre. On essore. Enfin, on égoutte, pardon, le pain de mie. Alors oui, effectivement, c'est le chat de mes parents. Ah bah bombardé, non, pas du tout, tu vois. Je vous dis la vérité, hein, même pas un message. En ce moment, je me suis même dit, il y a peut-être un problème. Je reçois des mails sur Influence Gourmand. Mais alors, en story, je mettrai rien, ce serait pareil. Bonsoir Marion. Bon alors du coup, bon tu chauffes toi? C'est vraiment pas foufou, hein. Donc là, on fait revenir l'oignon et l'ail. Bah, si tout le monde se dit la même chose, c'est peut-être pour ça que je ne reçois plus rien. Donc du coup, ne vous dites plus. Voilà, faites. Et c'est tout. Mais pourtant, il est trop mignon. Il est vraiment trop mignon. Et la photo, elle me fait trop rigoler parce qu'en fait, ce chat, il a un problème de... Enfin, il a une malformation. Sa langue, elle est tout le temps sortie. Genre, c'est pas juste comme ça. Il est tout le temps comme ça. Et c'est même handicapant parce qu'il n'arrive pas à manger correctement. Il est obligé de manger sur le côté. Mais c'est un chat qui est très très mal. Il fait des crises d'épilepsie tout le temps. Je vais baisser un petit peu. Soit ça chauffe pas, ça chauffe trop. Un petit peu un poco de sel. Est-ce que vous voyez là? Vous voyez peut-être pas complet, mais vous voyez au moins un petit peu. Hop. Ensuite, on va peler, enfin, éplucher nos carottes. Pas pour le repas de Pâques, on va le manger demain soir. Vous voyez mes petits tiroirs, je suis trop contente, je m'en sers tout le temps. D'un côté, je mets les épluchures que je garde pour les lapins. Et de l'autre, ce qui va au compost. Je vais éteindre. L'enfant est couché, je vais pouvoir suivre. Donc là, on va couper en petits. Ma mère qui a des lapins, mais c'est ses voisins et
Et du coup, bah, elles s'en occupent tout le temps. Elles veulent les nourrir. Elles changent leur paille, je sais pas quoi, là. Enfin, tu vois bien, c'est Brigitte Bardot. Oui, les bonnes odeurs, c'est clair. Bah, peut-être les garçons, ils en mangeront, hein, quand ils rentrent. Non, ça peut être, ça va pas être lourd en cuisine. Ce qui est bon, c'est la cuisson, en fait. Il y a une heure de cuisson. Donc vous allez devoir me supporter longtemps ce soir. Je me suis dit que c'était vendredi et que ça vous dérangerait peut-être pas, n'est-ce pas? Oui, c'est clair, Lola. Moi, c'est les humains, elle, c'est les animaux. Bon, après, je dis ça. Alors que j'ai deux chats en haut qui se trouvent ici parce que j'avais pas le cœur de les laisser après, après m'être occupée d'eux depuis la naissance. Alors qu'ils n'étaient pas à moi, ils n'étaient pas chez moi. Mais bon. Oui, attention les doigts, ouais. C'est clair. Surtout, il manquerait plus que je me le coupe celui-là. Alors là, là je crois que je tombe dans les pommes. Hein. Les gens, vraiment. Vraiment, vraiment. Hop. Donc là. Pour égoutter le maïs, je vais utiliser, vous savez, la petite passoire qui est donc fournie avec le tornado. Super pratique, sinon j'aurais dû sortir la grande passoire. Là, je peux me servir de la toute petite. Dedans. En attendant, bon, si vous avez plus envie de me parler non plus ici, vous me le dites, hein. Pas problème. Vous m'aimez plus, vous m'aimez plus, si vous voulez que je vous dise. Mes fouets. Pas grave. Ça me rend un peu triste, mais. Concentré. Ah, oh, il y a Mimi qui est là. Bonsoir. J'ai pas vu. Ça sent bon le persil, j'adore. J'adore. Hâte de voir le résultat final. Ben, moi aussi. Vraiment, vraiment.
Ouais, ça donne envie, j'avoue. Bon, alors là, je vais prendre mon cul de poule avec le support, évidemment. On va mettre les viandes. Moi, je les aurais cuites, les viandes. Mais bon, apparemment, non. Là, on ajoute oignon, ail qu'on a fait un petit peu revenir. Voilà. Et vous verrez qu'au final, on pense que c'est une recette compliquée, mais ça ne l'est pas du tout. Vous voyez, là, pour l'instant, il n'y a absolument rien de compliqué. Alors, comme je vous ai dit, là, pour l'instant, donc moi, la viande, c'est de la viande hachée et de la chair à saucisse. Mais vous pouvez adapter soit que viande hachée, soit vous faites un mélange avec du veau haché et veau. C'est vous qui voyez. À votre convenance. Là, on va ajouter notre maïs. Là, je vais reprendre. Où est-ce qu'il est, mon petit racloir? Bonsoir. Alors, c'est un pain de viande. Laura, quoi? Pourquoi tu cries? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas une recette Guy de Marle. Bah ça va, hein, besoin de crier, hein. Non, non, c'est pas une recette Guy de Marle. Hop, comme ça, on va tout mélanger. Par contre, j'ai mon moule, je ne sais pas comment je vais tout faire rentrer dedans. Bon, ça devrait aller, hein, je pense. Non, pas encore. 2 secondes, il est là le pain de mie. Hey, tu me surveilles même quand t'es pas là? Je voulais déjà mélanger un petit peu les viandes. Je le fais dans le moule cake. Mais après, je vais peut-être devoir remplir plusieurs moules, hein, parce que là, ça me paraît beaucoup. Bonsoir. Je vais me faire engueuler, mais je vais mélanger avec ma main. Hein, parce que clairement, sinon demain, on est encore là. Oui, je pense 2 cakes. On verra, mais... Oui, le pain de mie, je l'avais mis à tremper dans du lait. Vous voyez, ça marche beaucoup mieux avec la main. Oui, je me suis blessée. En plus, j'aime trop parce que c'est vachement coloré et tout. Oh, ouais, ça va être trop bon. On essaye de bien mélanger les 2 viandes.
Bah là, je vais ajouter du sel, du poivre. Donc, il y a déjà du persil. Il y avait déjà un petit peu de sel. Coucou, bah, je vais faire un pain de viande. Non, le doigt, ça va pas mieux. Hop, donc là, je pense qu'on est bon. C'est un pain de viande, Elodie. Donc ça, on réserve. Et là, je viens prendre du coup le moule cake que j'ai placé sur la plaque en alu perforé, évidemment. Je vais juste me rincer à nouveau la main. Et on va voir... Alors, du coup, il y a de la viande hachée, il y a de la chair à saucisse, des carottes, du maïs, des oignons, de l'ail, du pain de mie, du persil, du sel et du poivre. Alors, je vais prendre avec ça, déjà. Ouais, ça a l'air bon. Oh, je sais pas si vous voyez, je vais mettre ça comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup chercher un autre moule. Et comme ça, on pourra en donner à Nini. Comme ils viennent demain en plus. Donc j'en donnerai à Nini et à mes parents. Alors je vais chercher l'autre moule. Voilà, je savais pas, je suis arrivée en disant je t'aime, ça marche, bah, soyez prudent et puis tiens-moi au courant, je t'aime. Du coup, je savais pas lequel choisir, j'ai pris le Sea Cake haut. Hop, on va pousser un petit peu tout ça.
C'est de quelle origine? Alors, écoute, je ne saurais pas te dire. C'est beaucoup aux États-Unis, si je dis pas de bêtises, qui font ça. C'est dommage que j'ai pas réussi à en faire 4. J'aurais pu en donner 2 à Nini, 2 à mes parents. Il va où? Il va en enquête. Ouais, c'est américain, oui, c'est ce que je me disais. Alors aujourd'hui, c'est pain de viande. Donc j'en ai fait un grand ici. Et comme j'avais beaucoup de préparation, j'en ai refait 3 plus petits dans ce moule-là. Tu coupes en 2, ça fait 1,5. Oui. Voilà, donc là, on va pouvoir enfourner. Donc, c'est 30 minutes à 180 degrés et 30 minutes ensuite à 160 degrés. Donc, on va y mettre tout ça. Et ce que je ferais, c'est qu'à mi-cuisson, comme je vais mettre 2 grilles, j'échangerai. Je mettrai celle du bas en haut, etc. Comme ça, ça cuira à peu près pareil. Hop. Et aujourd'hui, on prend le bleu. Merci Aurélie pour le follow. C'est anglais et non américain le pain de viande. Oh, excusez-nous Mélanie et Muriel. J'ai cru que tu me disais genre on voyait un briquet quelque part et que vite il fallait que je l'enlève parce que je vais me faire bannir. M'a fait de la peur. Tu peux aussi en mettre un coup à Dri aussi, les relous. Si les relous, c'est efficace. Oh, c'est pas gentil, gentil. Oh, c'est bon, ça je vais pas mettre dedans. Détends-toi Laura, t'inquiète pas, les rageux sont pas là. Oh non mais c'est même pas pour ça. C'est même pas ça parce qu'en fait on peut être banni à cause des couteaux déjà. Et du coup je me suis dit bah peut-être avec les briquets aussi. Et du coup c'est pour ça qu'on me prévenait qu'il y avait un briquet qui traînait ou je sais pas. Hop, la petite pastille au programme pour cette nuit. Oh, je me suis trompée, j'ai appuyé trop vite. Tais-toi donc. J'ai fait des bêtises. Oui, bah c'est exactement ça, P1. P1. Bonsoir, elle me dit quelque chose. Tu parles de qui, Mina?
C'est pas très poli de dire. Bon, alors du coup, ça, je vais mettre dans un bol pour les lapins. Et ça dans le compost. Mais c'est super compliqué maintenant TikTok. Et en plus, faut réussir à suivre parce que c'est vrai que tu peux te faire bannir pour n'importe quoi. Alors qu'il y a des trucs. Il y a des trucs, c'est affolant quoi. Affolant. C'est comme quand tu te fais des fois insulter, menacer en commentaire, que tu signales et qu'on te répond non, nous n'avons constaté aucune infraction. Ah bon? Bonsoir. Bah écoute, la santé, c'était dur la semaine dernière. Là, ça va mieux. Donc, on se plaint pas. Hein. Il y a pire que nous. C'est ce qu'il faut toujours se dire. Le petit maïs là pour les lapins, même si c'est pas beaucoup, c'est toujours ça. Ouais, c'est pas évident. Coucou Toff, comment ça va? Enquête annulée, on arrive. Oh merde. Ah purée. Merci pour le follow. Influence.gourmande@gmail.com et tu as 5 euros de réduction. Ça, je mets ici. Ah oui, il y a déjà. J'ai dit, en fait, son boulot, c'est aussi 80% du marketing. La vente. Et il y a un excès de la charge de la. Je tarde à y aller. J'ai pas envie, c'est grave. Hashtag mauvaise mère. Non, franchement, pas mauvaise mère. Juste maman fatiguée, c'est tout. Hashtag maman fatiguée. Eh, c'est trop bien. Ouais, non, c'est par contre, ça a vachement dégorgé. C'est normal, parce que c'est la chair à saucisse, elle est très grasse. Vous avez vu? Franchement, normalement, il y avait 200 g de chair à saucisse, 200 g de veau. Et moi, j'ai mis 400 de chair à saucisse. Mmh. Parce que le veau, j'avais pas envie, j'aime pas le veau. Franchement, trop bien. Là, tu vas peut-être les laisser, pas les mettre tout de suite sur la planche. Hein. Non, les mettre dans une assiette, ça dégorge un peu. Ouais. Ou dans un plat, les limites. Ouais, c'est bon. Ah, les pinces, elles sont trop bien ces pinces. Regarde, c'est les pinces high-tech. Comme ça, ouais. C'est fermé. Comme ça. Attends. T'aimes bien les myrtilles, frérot? Tu fais, ça va. Tu retournes. Tiens, juste, c'est fermé. Oh. Et tu retournes, hop, c'est ouvert. C'est ça. Ça fonctionne avec la gravité. Ouvert. Attends, on a hérité de beaux petits pots comme ça. C'est parce qu'il y a. Il y a pas, okay. C'est pas bon, c'est pas bon. Il y a un loquet en fait. Ouais. C'est ça. Tiens. Alors, je vais déjà commencer par cela. Je vais chauffer avec ça, j'espère que ça ira. Oh oui. Nickel. En plus, je peux pas manger de viande aujourd'hui. Ça sera demain, ça va. J'ai pas envie de le péter. Oh, la viande tient bien normalement. T'en as combien là? Là, 3. Il y en a 3. Ah bah, il faut le dernier. Remettre un autre truc. Non, je peux le caler là. Hein. Mais pour le grand, oui.
Oui, je vais le mettre. Bah, tiens, passe ça. Hop, regardez. Ils sont beaux. Hein. Je peux me dévouer pour goûter. Ah, j'ai trop mangé. Voilà. J'ai même pas pris ceux de chaud. Moi aussi, sans viande aujourd'hui. Bah voilà. Si on met autre chose que la chair à saucisse, ça risque d'être sec, non? Non, je pense pas. Le veau, c'est plus sec, oui. Mais après, peut-être ça, pas. Ça sera quand même pas sec parce que t'as beaucoup de choses dedans. Déjà, t'as les avions. Quoi? Ah bah non, ouais. Si tu veux, c'est... Pourquoi t'as dit t'as les avions? C'est quoi cette histoire? Il y a des hélicos, mec. T'es fatigué là. Pourquoi les avions? Ouais, mais alors t'aurais dit autre chose, je veux bien, mais pourquoi les avions? Les avions. Ah, palmier, carottes. Palmier. Le maïs. Les avions. Elle est fatiguée. T'as le palmier, les oignons, l'ail. Ah, c'est oignon. Ouais, mais avion, pourquoi avion? N'importe quoi. T'es neuneux, toi. Ah, putain, oui. Oh, il m'a l'air bien dur, hein. Tu dis de pas le casser, mais ça m'a l'air bien. Hein. Ah, je sais pas. Non, là, attends. Ouais, je vais faire un gros dodo. Oh, purée. Vas-y. Voilà. Yeah! Eh, c'est joli, hein? Putain, ça fume bien. On voit bien les avions quand même. Ouais. c'est des Boeing. T'as vu les ailes? La fatigue. T'as fait un mélange d'ail et d'oignon, ça fait avion, exactement. Agnon! Ah! Agnon! Oh, c'est chaud! Du coup, comme j'ai dit, il faut que je me dévoue pour goûter. Bah, ça donc. Tu goûtes le grand? Non, moi c'est... Oh, vache, joli. Couteau à camping. Avec ça? Ce sera pour Miguel Anto. Le grand, pourquoi le grand? Ça donne pas envie. On n'a pas fait de photo encore. Bah écoute, tant mieux. Les goûts, les couleurs... Faites-moi un sandwich. Bon, la viande est bien cuite. Oh, ça sent bon. Ouais, ça sent bon. Bah, c'est chaud, hein. Ça sent super bon, en tout cas. C'est bon? Ah bah non. Tu veux goûter? Allez. Bon, y'a pas de veau. C'est un pain de viande. Non, il est bon. Ouais. Bah, tu vois, il sointait, mais en fait, il est pas gras. C'est une excellente personne, hein. Il est bon. Ouais, il est bon. Dommage, hein. Quoiqu'à minuit, à la limite. C'est bon, je peux attendre demain. Bon. Non, il est bon, hein. Faudra faire la photo demain. Ouais. Il est vraiment bon. Je suis content, bravo. Mais comme je disais, au final, c'est pas compliqué. Hein. Non, c'est pas ultra compliqué. Non. Ça me donne envie de fromage de tête. Ah non. Ah non, fromage de tête, je suis pas fan. Mon père, oui, mais moi, je suis pas fan. Je suis pressée de voir le replay sur YouTube pour le faire. Bah oui. Hein. Oh, ça sera. Là, il y a des vidéos déjà. C'est pas avant la semaine prochaine. Excuse-moi. Alia, je trouve que tu n'es pas très. Tu n'es pas dans la bienveillance, d'accord? Pourquoi la Tico? Elle dit que ça donne pas envie. Hein. Bah tant mieux pour elle, mais c'est pas qu'elle mange, je pense. Alors je lui dis, on va te faire un sandwich. Un sandwich? Un sandwich. On va te faire un sandwich. Pourtant, Adrien aime tout ce que j'aime, lol. Il me déçoit. Ouais, c'est important. Certificat de matriculation. Bon, en tout cas, c'est cool, vous étiez nombreux ce soir, alors j'espère que la recette vous aura plu, n'est-ce pas? Je vais couper ce live, je vous laisse avec Adrien et Geoffrey, donc sur YouTube, Ghost and Us Paranormal. Oui, vous pouvez mettre les ingrédients que vous voulez, si vous voulez pas mettre de maïs, vous mettez pas de maïs. J'ai vu qu'il y en a aussi qui mettent du ketchup. Hein? Oui. Il y en a, ils mettent du ketchup. De la sauce barbecue aussi. Ouais.
Ou de la Worcestershire. Ouais, alors, donc après, ça, vous adaptez, hein, vous mettez la viande que vous voulez, tout ça. Si vous ne mangez pas de porc, que vous voulez mettre autre chose, vous mettez autre chose, il n'y a pas de...